C'est l'histoire d'un mec qui monte dans une voiture et qui fait 5000 km pour suivre des petits vieux dans un autobus. Sauf que ces mecs-là, leur histoire, elle est belle. Ces mecs-là, c'est les Sonics. Et c'est aussi un petit peu mon histoire. Ce soir-là, les Sonics jouent à Leuven, à la salle Hut Depot. Et c'est en parlant avec Jerry, le chanteur, que... Enfin, je lui demande si quelqu'un les filme, si quelqu'un filme ce qui est en train de se passer, là. Il me dit que non. Je lui dis que moi, je veux le faire. Je veux faire un film sur eux. Puis je prends mon téléphone et je commence le mail. Je range mon téléphone. La serveuse m'offre deux tequila, je reprends mon téléphone. Avant minuit, depuis le garage de la salle Hut Depot à Leuven, mon email est envoyé à San Francisco. Ladies and gentlemen, come on! From Tacoma, Washington, please welcome the Sonics! Je charge mon coffre, je mets un appareil photo Nikon, je mets un trépied à 50 boules, j'emprunte un micro à mon pote Michel, je mets mon sac de couchage et je monte dans ma voiture pour 2h30 et 225 km. J'ai jamais fait un film de ma vie. À 18 ans, j'ai voulu entrer dans une école de cinéma, mais j'ai pas été pris. Ces mecs-là ont inventé le garage rock dans les années 60. Ils ont fait deux albums cultes, mais sans le savoir. Ils ont arrêté la musique pour aller faire leur service militaire au Vietnam et ils se sont reformés 40 ans plus tard à cause d'une pub pour une bagnole. Ils pourraient être chez eux avec leurs petits-enfants ou en train de jouer dans une église. Ils sont en Italie en train de faire danser les gamins. Est-ce que j'ai vraiment envie de faire un film sur eux ? Est-ce que j'ai vraiment envie de faire un film ? Est-ce que j'ai une caméra ?